saurais pas là où est la salle. Attends. Non mais cherche pas. C'est un centre de formation ici, c'est pas un bistrot. Quoi? Quoi? Tu cherches une salle pour saouler, pour droguer, c'est ça? N'importe quoi. Non mais t'as vu ton look? Et alors? Moi j'aime ça, c'est rock'n'roll. Non mais c'est dégueulasse surtout, ouais. Et c'est ringard le rock'n'roll en plus. C'est la musique d'alcoolique. Enfin la musique, plutôt du bruit, ouais. C'est ringard le rock'n'roll. C'est un milieu d'hystérie, de dépravé, de drogué. Bah tu sais quoi? Tu me dégoûtes. Excuse-moi, tu connaîtrais pas un peu le centre? Oh, fond à la paix, Pépito. Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il y a? Jetez l'affaire qu'on occupait des bottes, people. Mais t'es malade, toi? Tu veux des papiers, c'est ça? Ah bah oui, faut bouger les allocs, faut nourrir toute la tribu. Ils vont bien les 12, frères et sœurs? Pardon? Bon, écoute, c'est pas marqué service d'immigration ici, hein. Retourne dans ta savane et fous-moi la paix. Bonjour. Bonjour. Je cherche la salle B210. B210, moi aussi je la cherche. Oh bah, ça me rassure alors. Ça fait 10 minutes que je la cherche et vraiment personne pour m'aider. Ah bah si tu veux on cherche ensemble hein. Ah bah oui alors. Je sens qu'on va être super copines toutes les deux. Ah, t'es homo? Bah ouais. Mais ça va pas non? Non mais j'aime pas les PD moi, je veux pas de toi dans ma classe hein. Mais t'es sérieuse? Bah oui, c'est contre nature, c'est un péché, tu vas aller en enfer. Mais tu racontes n'importe quoi! Eh non! Non mais tu t'approches pas de moi d'abord, hein! Mets ton string léopard, va rouler des fesses sur ton genre et laisse-moi tranquille, hein! Non mais quelle horreur! Incroyable! Bonjour! Ah! Une blonde, à présent! Mangez plus que ça! Non mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah rien, heureusement! Si c'est pour dire une ânerie, c'est pas la peine! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ton chihuahua? Mais c'est moi qui suis perdue! Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est la vie, trop blonde, trop conne. Fais gaffe, tu perds ton silicone. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi. Mais ça va pas, non? Bah, t'es malade ou quoi? Tu m'as fait mal, mais espèce de miss petite bourgeoise, va. Espèce de pain belge, dégonfle des chevilles, là, Nolissa mère. Vous avez entendu? Non, mais c'est pas possible. Je cherche juste la salle B210, c'est quand même pas compliqué, la salle B210. Mais la B210, moi aussi, je la cherche. Bah, moi aussi. Bon, bah, quelqu'un qui a une idée, si on s'y met ensemble, on irait peut-être aller plus vite. Oui. Ah ouais, t'as raison, franchement. À mon avis, ça va être au bâtiment B, hein. Le bâtiment B? Je l'ai vu en arrivant, il est en face de la bibliothèque. Et puis, 210, c'est deuxième étage. Bon, on y va ensemble, les amis. Bon, allez. Ok. Allons-y. Tu t'appelles comment? Ophélie, et toi? Ça va là. Au fait, toi, tu piques pas mon mec, hein. Ah non, c'est pas mon genre. Enfin, on verra. Vous voyez, l'intolérance ne mène nulle part. Ensemble, on va plus loin. Donc, c'était le groupe numéro 39 dans Intolérance. Ils viennent du CFA FDM, Faculté des métiers de l'Essonne. La mise en scène est de Emmanuel Carlier. Interprétée par Ophélie, Victoria, Kevin, Priscilla et Charlotte. Ils sont en bac pro secrétariat et en bac pro commerce. Voilà.